Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à mon super talent artistique. Au cours de ce 10e numéro, nous allons faire un focus sur la candidate numéro 4, Mademoiselle Boeilou Bénédicte. Titulaire d'un Master 2 de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan, elle utilise comme technique de travail la peinture acrylique, son style, le gribouillage. Nous revenons un tout petit peu en images sur le parcours de cette candidate au cours de cette compétition et nous profitons également pour recueillir l'avis d'un proche. A tout de suite. Alors, c'est un grand honneur pour moi de participer à ce concours et faire aussi la connaissance de d'autres artistes peintres. Elle est celle qui nous a, par rapport aux connaissances générales, elle, c'est celle qui nous a épaté. Même si dans l'ensemble, c'était pas très fameux, mais je crois qu'elle, elle a fait des efforts. Et quant à sa pratique artistique, elle a une technique aussi à elle qui parle des jets sur la toile, des tracés sur la toile, et ça aussi ça promet à l'avenir. Et surtout en tant que jeune femme, elle a démontré toutes ses capacités, parce que quand on parle avec elle, on sent qu'elle a des capacités, elle a beaucoup de choses en elle, et donc ça promet aussi. Non, il faut dire que je n'ai pas de doute en tant que telle. Parce que la majorité des participants sont des amis. Et ça sera une occasion pour moi d'échanger avec eux, de voir leur état d'esprit. Donc, pas de frayeur. Ce qu'elle fait aussi, c'est magnifique. Et je crois qu'à la fin, on verra ce qu'elle va produire. Parce que pour le moment, elle n'a pas très avancé son travail, mais au niveau de la technique, c'est une très bonne chose. La candidate Boeilou Bénédicte est une jeune artiste que j'ai connue, disons, j'ai enseigné depuis le lycée d'enseignement artistique. Elle avait vraiment un potentiel et je l'ai suivie aussi un peu aux Beaux-Arts. J'aimerais juste qu'elle soit candidate à mon super talent artistique. Je suis très à l'aise à la mesure où il y a diversité de thèmes. Je veux dire par là que ça va me permettre, c'est en même temps d'exploiter les techniques. C'est vrai que j'ai ma technique à moi, mais ça va me permettre aussi d'insérer d'autres techniques à ma technique pour en faire aussi des œuvres aussi. Mais par rapport aux épreuves, je dirais que chaque sujet était plus ou moins abordable, pour moi particulièrement. Je n'ai pas trouvé de difficultés en tant que telle. Je pense que dans l'ensemble, les sujets étaient quand même abordables. Boeilou, avec sa technique de gribouillage, qui quand même a quelque chose de spectaculaire. Ça a été tout un honneur pour moi de participer à ce concours. Voilà, ça m'a permis de faire la connaissance de plusieurs artistes, peintres. Et ça m'a aussi permis de connaître un peu leur parcours aussi artistique. Je pense qu'elle a un potentiel et ce potentiel-là doit véritablement s'exprimer. Je compte sur elle. Bene, Boeilou, je te fais confiance. J'y ai pensé depuis longtemps et je pense que le moment est arrivé pour que tu décroches ce prix-là. Boeilou, oui, maître. Je pense que tu es en pleine séance d'esquisse. Exact. Comment penses-tu faire évoluer ton travail jusqu'à la fin? Par rapport à l'évolution de mon travail, je dirais que d'abord, je commence par l'esquisse, comme vous avez dit tout à l'heure. Et ensuite, pousser l'esquisse, rendre mes éléments fluides d'abord avant de commencer à travailler. Et comment est-ce que je vais élaborer? C'est de commencer à préparer après différentes couleurs dans du sachet plastique et ensuite commencer à gribouiller pour faire ressortir la forme
Et je pense que c'est par la par la juxtaposition de couleurs qui, à partir de là, que je vais obtenir des formes. Et la profondeur. Oui, surtout. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de candidats que je redoute dans cette compétition. Parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, ce sont des amis, donc on se connaît. Donc il n'y a pas à craindre quelqu'un. Après le mouvement Vovo, quels sont les mouvements qui ont suivi? D'accord. Donnez le nom des deux précurseurs. Après le mouvement Vovo, il y a eu le mouvement Daro Daro. Alors, mot de fin, c'est pour encourager tous les participants à ce concours, bien sûr. Mais que le meilleur gagne, et moi, je pense que je serai la meilleure. Voilà. Boéilou Bénédicte sera-t-elle le super talent artistique de l'année 2019? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Pour cela, rendez-vous à la finale.